على الله. Non, fais-le. Oui, le président est là, il vient d'arriver, il vient de faire son entrée à Yakassémé. Vous le constatez, son cortège avance sereinement. Oui, vous vivez l'événement en direct. Quitte là. Mets-toi à côté. Vous le suivez. Nous avançons. Vous allez voir tout à l'heure. Oui, le président de Rome, voilà. Là. On s'est libéré.
Le président est là, comme vous le constatez. Le président est là. On lui fait une émotion, président. Une émotion. On fait une émotion. Le président est là.
Il est parti et il est revenu en triomphe. Il est parti, il est revenu en triomphe. Plus fort que jamais. Et il a dit, on ira jusqu'au bout. Et là, on va jusqu'au bout avec le président Laurent Gbagbo. Je vous invite à assister à une page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Prenez son bisou, prenez son bisou. Le président Laurent Gbagbo est dans la place. Après, il a parlé comme ça. Le président Laurent Gbagbo est dans la place. Les années ont fait, comme quoi, les années ont passé, mais l'amour du peuple passé pour le président Gbagbo n'a pas bougé. Cet amour a été intact. J'en veux pour preuve cette foule compacte. Agnès, Kitan. On émotionne le président Laurent Gbagbo. Thank you.
tête couronnée. La population présente ici. Le président de la République est à la en tout cas, il est son épouse. Le président Laurent Gbagbo et son épouse vont les gagner. Alors, je demande au MC du comité d'organisation de l'année que je rejoins et d'aller sur le public. Parce qu'on va commencer dans la cérémonie. Installez-vous. Installez-vous. En nomination le premier de Gbagbo jusqu'à ce qu'il s'assied son épouse, s'il vous plaît. Le président de Gbagbo. Nos amis de la presse, dépêchez-vous donc de prendre des images afin d'immortaliser ce moment. 10 ans après, le président Laurent Gbagbo est dans la vie. Vous qui avez espéré dans vos cœurs, dans vos prières, même dans vos pleurs, de le revoir aujourd'hui. Vos voeux sont exaucés. Le président Laurent Gbagbo est là, dans l'armée, avec vous. Il rend visite à la région de l'année. À partir d'aujourd'hui, première escale, ce vendredi 9 décembre 2022. Les hommes forts de l'armée, c'est eux. Vous les voyez, c'est eux. Il est exactement 16h26. Cérémonie. Bapou est bel et bien dans la main. Ça va commencer. Vous voyez la mobilisation. Voilà, il n'y a pas match. Il n'y a pas bruit. On peut dire les gens, il n'y a pas bruit. Bon, à bientôt. On se reprend dans quelques minutes. Merci. Il nous aura suivi. On garde le contact. Merci. Le déroulé.